Bonjour, Mila et Murphle. Ah, je suis très heureux que vous ayez voulu m'aider aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Nous aimons vraiment peindre. C'est génial. Maintenant, voici les quatre voitures que nous devons peindre. Et voici toute la peinture dont nous allons avoir besoin. Ok, tu peux amener la voiture verte par ici? Bien sûr. Murphle, transforme-toi en dépanneuse. Super! Le client voulait que cette voiture soit bleue. Alors, on va la peindre pour lui. Wow! Tu es vraiment bon en peinture, Murphle. Ok, la prochaine est la voiture jaune. On doit la peindre en violet. Murphle voit pas voiture jaune. Moi non plus. Mécanicien Joe a dû se tromper. Où est la voiture, Murphle? Pas de voiture jaune. Si, Murphle, il y a une voiture jaune par là. Tu dois bien savoir quelle couleur est le jaune, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on le sait. Ok, ok. Tu as dû la rater. Ah, dépanneuse jaune. Eh bien, si c'est ce qu'il veut... Arrêtez, Mila et Murphle! Qu'est-ce que vous faites? On peint ta voiture jaune en violet! Ouais! Bon, venez. Je vais vous montrer où est la voiture jaune. Bon, il n'y a pas vraiment de voiture jaune par là. Et la voiture qui doit être peinte en violet est celle-ci. Ah, je suis désolé, vous deux. J'étais sûr que cette voiture était jaune. Ça me semble parfait. Maintenant, je vous ai fait de la limonade. La limonade! Tu entends ça? Oh, regardez la voiture! Ah, maintenant, elle est jaune. Est-ce que je deviens fou? Changer la couleur de tout ce qu'il touche. Pas vrai, Chroma? Alors, je ne suis pas en train de devenir fou. Oh non! Les clients vont arriver d'une minute à l'autre. Vite, Murphle! Remorque les deux autres voitures jusqu'ici. Chroma, tu peux nous aider à peindre les voitures de la bonne couleur? Super! Ok, cette voiture jaune doit être violette. Cette voiture orange doit être verte. Tu peux faire ça aussi? Oh non! Les clients sont presque là! La dernière.
Et cette voiture doit être jaune. Wow! C'est magnifique! Ouf! Vous avez vraiment sauvé ma journée, tous les trois. Merci! T-Rex! Oh non! Morphel, transforme-toi en T-Rex! Est-ce que tu as entendu ça, Yann? Oh oui, ils ont vu beaucoup de dinosaures. Ya, et donc? Ils se sont bien amusés. Cela signifie que nous pouvons, nous aussi, aller dans le passé. Bonne idée, Stan. Et dans le passé, nous pourrons rassembler des dinosaures pour créer notre propre armée de dinosaures. J'ai toujours voulu être un général, Stan. Qu'est-ce que... Oh non! Arrêtez ça, voleur! Il faut absolument les suivre, Morphel. Suis-moi, Yann. Oh oh! Je ne peux plus les voir. Morphel perdu aussi. Je sais! Morphel, transforme-toi en chien de recherche! Regarde, Yann! Oh, ils sont tellement mignons, ces petits! Ils seront les premiers soldats de notre armée de dinosaures! Je ne crois pas qu'ils veuillent se joindre à nous, Stan! Allez, les enfants, ça va être super! Bandits! Oh non! Les bandits ont des ennuis! Morphel, change-toi en Gallimimus! On pourra vite les rattraper! Oui! Maintenant, transforme-toi en T-Rex. Ça fera fuir les vélociraptors. Bandy, l'ère des dinosaures est vraiment très dangereuse. Ça, c'est vrai, hein, Stan? Je sais pas ce que... Change-toi en ptérodactyle. Je ne sais pas voler. Morphel, change-toi en tricératops. Comme ça, avec tes cornes, tu pourras harponner sa queue. Merci. Oh oh. Stan, derrière toi. Oh oh. À l'aide. Oh, T-Rex. Et des vélociraptors. Tu ne peux pas te transformer en quelque chose. Tricycle. Oh non. J'ai une idée. Morphel, transforme-toi en un gros
dinosaure. Ouh, on est en sécurité ici. Super. Je t'aime, Marvel. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que le sablier du maître du temps soit écoulé et nous serons renvoyés à notre époque. Regardez! On est revenu! Oui! Peut-être que l'armée des dinosaures n'était pas une si bonne idée finalement. Non. Mila, Morphle, regardez le nouveau jouet que j'ai. Nous devons être très prudents avec ça. C'est une grosse boîte remplie de monstres effrayants. Il faut que j'appelle la police. Morphle, jouez avec monstre. Non, Morphle. Allô? Allô? C'est affreux. Quelques-uns de mes monstres effrayants se sont échappés. J'arrive. Oh, tu n'as pas le droit de faire peur aux gens, monstre. Morphle ? Morphle ! Morphe-toi en toi-même. Morphle, pas vrai monstre. Hein ? Morphle ! Les monstres font peur à tout le monde, mais Morphle n'est pas un vrai monstre. Voilà les vrais monstres ! Arrêtez de faire peur à tout le monde, vilain monstre ! Ne me faites pas peur comme ça. Bonjour. Hé, les monstres ont peur de Morphle. Tu es un monstre de monstres effrayant. Alors, n'ayez pas peur de Morphle. C'est un de mes amis, et il est en fait très doux et câlin. Regardez, vous pouvez le caresser. Vous voyez ? Mais ce n'est pas agréable d'avoir peur, pas vrai les monstres ?
Alors, vous ne devriez plus faire peur aux gens. Je pense que les monstres devraient aider les gens à ne pas avoir peur d'eux. T'aider à ne pas avoir peur. Oui, tout comme moi, qui vous ai aidé à ne pas avoir peur de Murfull. J'ai peur du docteur. Le monstre n'a pas peur du docteur. Tu ne devrais pas avoir peur aussi. J'ai trop peur de faire du vélo. Le monstre va t'aider à ne pas avoir peur. Murfull, j'ai peur de l'obscurité. Murfull, peur aussi. Mais nos nouveaux amis nous aideront à avoir moins peur. Murfull, transforme-toi en train. Amusez-vous bien à la plage, tout le monde! Maintenant, le lion a disparu aussi. Mais où a-t-il bien pu aller? Murfull sait pas. Et maintenant, c'est la girafe qui a disparu. Voleur. Oui, on dirait bien. Ces bandits ont dû les enlever. Nous devons les trouver. Ah! Vous voilà, voleur. Qu'avez-vous fait de tous les animaux? Hein? Quels animaux? Les animaux qui étaient dans les wagons et qui ont disparu. Demande plutôt à tes singes pourquoi ils font ça. Aussi seul et aussi triste que vous l'étiez.
Si vous les trouvez, vous n'aurez qu'à appeler Morphel. Oh oh oh! Morphel, déplace les rails du train sous l'éléphant. Génial! Maintenant, allons chercher les autres. Waouh! Super coiffure, le lion! Oui! Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la girafe. Te voilà, girafe. Vous voyez les singes? C'est bien plus amusant quand on est tous ensemble. Maintenant, allons à la plage. Au revoir, girafe. Au revoir. Chose, Morphel. Mais c'est un secret, donc tu ne peux pas venir. Oh, Morphel, viens aussi. Non, Morphel, tu dois attendre ici. Au revoir, Morphel. Mila! Mila! Hey, quoi de neuf, Morphel? Non, désolé, Morphel. Mila! Qu'est-ce qui t'arrive, Morphel? Mila, ici? Non, désolé, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Non, Mila n'est pas là. Mila, au zoo? Ah! Oh! Non, Morphel, elle n'est pas là. Non, Morphel. Où est Mila? Morphel pleure. Pas dans ma ville. Allez, viens, Morphel. Je parie que Mila t'attend à la maison. Pas si vite, Morphel. Tu n'as même pas vérifié dans le jardin. Surprise! Mila! Joyeux anniversaire, Morphel. Maintenant, ouvre ton cadeau. La justice ne dort jamais. Mais vous devez dormir de 9h à 7h. C'est l'heure d'aller combattre le crime. Juste après le brossage de dents. Attention tout le monde! Requin dans l'eau!
Que font-ils? Regarde, les requins robots ont fait partir tout le monde de la plage. Ouais, alors maintenant, on peut voler toutes leurs serviettes. Je ne reviens pas que nous ayons réussi à berner le professeur Rachid en lui disant que nous voulions ces robots pour faire des recherches sur les requins. Ah oui alors, et qu'il l'ait fait en échange d'un simple sandwich à l'œuf. En parlant de ça, à propos, où sont passés nos requins robots? Ah, pas encore ces deux-là! Marfel, deviens un énorme requin aussi! Ah, vous n'êtes rien comparé à notre robot! Attrapons-les! Maintenant, ajoute des jambes, Marfel! Nous devons sortir d'ici. Oh, regarde, Stan, nos requins robots sont venus nous sauver. Ce ne sont pas des requins robots, Yann. Ce sont des vrais requins. À l'aide, à l'aide. Vous avez appris une leçon importante aujourd'hui. Ouais, les vrais requins sont dangereux. Et que nous ne devrions pas nous déguiser en requins pour effrayer les gens. Exactement. Participer. Oh, participons au concours, Marfel. Ah,
Allez, Samy, tu peux gagner cette course. Hey, constructeur Lorenz, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ma petite chienne Samy ne veut plus faire la course, car les horribles gros chiens sont méchants avec elle. Oh, ma petite chienne Samy ne veut plus faire la course, car les horribles gros chiens sont méchants avec elle. Bien joué, Barky. Pauvre Samy. N'aie pas peur, Morphle n'est pas méchant. Regarde. Jouer avec Samy, comme ça, elle n'aura plus du tout peur de toi. Hey, les gars! C'était notre balle! Pourriez-vous nous la rendre? Votre balle? Eh bien, trouver, c'est garder! Si vous voulez vraiment la récupérer, pourquoi n'essayez-vous pas de venir la chercher? Transforme-toi en T-Rex. Est-ce que tous les chiens sont prêts? 5. Nous sommes en retard, Morphle. Mais il y a encore une chance que Samy gagne. 3, 2, 1. Partez. Oh non! Donne-leur une idée de ce qu'ils font aux autres, Morphle. Est remporté par cette petite chienne qui a battu les plus gros participants. Papa, papa, Morphle et moi, nous allons récolter des bonbons. Tu veux venir avec nous? Non, désolé, Mila. Ce soir, je pars à la recherche de Spectrum. Spectrum? Ah, on dit qu'il n'apparaît que le soir d'Halloween et qu'il utilise toutes sortes de magies incroyables. Il faut absolument que je vois ça de mes propres yeux. Ça a l'air chouette! J'espère que tu le verras. Bonbon! Oui, Morphle, on y va! À plus tard, papa! À plus tard! Donnez-moi vos bonbons! Oh mon Dieu! Voilà des costumes vraiment effrayants. Attendez une minute. Ah! Un fantôme! Je veux ma maman! Alerte! Alerte! Ce n'est pas un exercice! Un vaisseau fantôme hante les rues de la ville! Éteignez les lumières! Fermez vos fenêtres! Et verrouillez vos portes! Oh là là, dis donc, ça a l'air sérieux, Morphle.
Morphel, on ne laissera personne gâcher la soirée d'Halloween. Mila, hein? C'est réel? Ah, plus vite, Phil! Ce fichu animal magique ne doit pas s'enfuir avec notre vaisseau, non! Animal magique? Regarde, Morphel! Ce doit être Spectrum, l'animal magique dont papa nous a parlé tout à l'heure. Change-toi en araignée et suivons-le! Hey, regarde ça! Je vole! Bien sûr que tu voles! T'es un fantôme! Un fantôme! Ah, c'est génial! Maintenant, plus aucun mur ne nous empêchera de voler tous les trésors du monde! Allons-y, Phil! La magie de Spectrum ne dure qu'une nuit. Ça te dirait de jouer les fantômes pour une nuit, Morphel? Comment va-t-on pouvoir ramasser les bonbons? Pas bonbons? Allons voir si papa peut nous donner un coup de main. Spectrum! Tout est étrangement calme. Papa! Ah, un fantôme! Un fantôme! Pas fantôme, Morphel! On a vu Spectrum et il nous a transformés en fantômes pour la nuit. Ça alors? C'est vraiment incroyable! Mais maintenant, on ne peut plus rien attraper. Est-ce que tu pourrais nous aider à ramasser des bonbons? D'accord, Mila. Caché derrière cet arbre. Youhou! C'est Pâques aujourd'hui! Oh, regardez! Waouh! C'est trop bien! Pou, pou, pou. Oh! Moi aussi, je veux un de ces œufs de Pâques magiques! Nous, aimerions un œuf de Pâques magique! Que le lapin de Pâques a caché plus d'œufs? Oh, oh! Et si nous faisions une chasse aux œufs de Pâques magiques? Et c'est nous qui ramasserons le plus grand nombre d'œufs! Ça, c'est ce qu'on va voir! Morphel, transforme-toi en voiture de course! Oui, allons-y! Et que le meilleur voleur gagne! Quoi? Mister Action! Oui! Donc, il n'y a pas de jouets dans tous les œufs. Oh,
Il voulait juste faire un câlin. J'en ai trouvé un. Oh oui, je me demande ce qu'il y a dedans. Je suis sûr que c'est un des derniers œufs. J'espère qu'il y a un truc bien à l'intérieur. Quoi? C'est... vide? Non, Stan. Il y avait des confettis dedans et j'adore les confettis. Eh bien, moi, je ne trouve plus d'œufs, Morphle. Morphle a trouvé un... En or. Et c'est le dernier œuf qu'il y a dans toute la ville. Et c'est le nôtre. Oh non, sûrement pas. Morphle, transforme-toi en avion. Hein? Il a des ailes. Il revient vers nous. J'ai une bonne idée. Morphle, va te mettre devant l'œuf. Maintenant, souffle sur les nuages pour les faire monter. Maintenant, l'œuf ne peut pas voir où nous sommes et nous pouvons l'attraper. Oh non! Ils ont eu l'œuf. Regarde ce qu'il y a dedans. Wow! Hein? Des chocolats? Miam miam! C'était amusant. Tu veux du chocolat aussi? Oui! Merci.